Il était une fois une goutte d'eau appelée Gouttelette. Elle avait une grande sœur qu'on appelait Lolo. Elles vivaient toutes deux sur un bon gros nuage gris. Oh!
assainir la mer et les rivières, à polluer l'air, alors la terre deviendra une vraie poubelle. Ça serait dommage. Où sommes-nous? Je crois que nous sommes sur un bateau et nous naviguons sur des millions de nos sols.
déjà fait un voyage sur la Terre. Tu n'étais pas encore né. Mais ce que j'ai vu m'a rendu tellement triste que j'ai demandé au soleil de me remonter sur notre nuage. Et pourtant, c'est beau la Terre. Regarde toutes ces jolies choses qui brillent dans la rivière. Ça, ce sont des poissons. Ils nagent. Oh, regarde, celui-là comme il est gros. Bah, c'est la maman. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. La maman des poissons, elle est bien gentille. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Les petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. J'ai faim. Hein? Ceux-là, ils nagent à l'envers. Comme ça. Et ben, je ne sais pas pourquoi. Demandons au soleil. Ils se promènent sur la rivière. Des garçons, des filles, avec des grandes personnes. Ohé, du bateau, arrêtez d'abîmer la terre. Thank you.
C'est normal, Pécasse, d'être mouillé pour une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur échapper? Essayons de nous profiler entre les gouttes. Ah!
Tiens, va voir. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Cette grande surface toute noire sur la mer. Ah, et puis ça sent mauvais, mais qu'est-ce que c'est encore? Demandons au soleil. Bonne idée. Qu'ils transportent sur de gros bateaux. C'est la marée noire. C'est ça qu'on appelle une mer d'huile? Au contraire, une mer d'huile, c'est une mer belle et calme et propre. La destruction, l'abomination,
sable. C'est une plage. Les petites têtes et leurs parents s'allongent sur ce sable et je les bronze. Ils adorent ça. Quelquefois, certains d'entre eux deviennent tout rouges, comme moi. On y va ? Allons voir.
me fait mal au cœur de la voir dans cet état. Bon, allez, grimpez sur un de mes rayons et je vous remonte. Il n'y a rien de plus beau dans l'univers.